Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de Un jour à jeu. Bonjour Quentin. Eh bien bonjour. Et aujourd'hui, épisode exceptionnel parce qu'il s'agit d'un jeu qui est extrêmement important dans notre cœur. Alors oui, celui d'avant il l'était, mais celui-ci il est encore plus, Quentin. Le teasing. Et je suis très excité à l'idée de le faire. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, voici l'épisode 4. Je suis un jeu qui est sorti le 21 novembre 2001, qui est très connu notamment pour son mode multijoueur. Les concepteurs de ce jeu sont Masahiro Sakurai et Shigeru Miyamoto. C'est un genre, attention là tu vas trouver, jeu de combat, jeu de plateforme. Il a été sorti sur la GameCube, édité par Nintendo. Bien évidemment. Il s'agit, Quentin, de quel jeu? De quel jeu? Smash Bros. Melee. Oui, le plus grand jeu de baston de tous les temps. Mais oui. Alors, ce jeu... Attention tout le monde, ce jeu, il fait partie de mon top 3 des jeux où j'ai les meilleurs souvenirs en tout cas. Passé avec les copains là-dessus. Bah d'ailleurs Quentin, on en a passé des heures et des heures sombres. Personnellement, je jouais Link. Toi, je sais que c'était Samus. Oui, je jouais Samus. Où tu m'arrachais la gueule. Après Samus, la distance faisait qu'il y avait des petites techniques de pute avec le missile, la boucle. Mais les combats les plus épiques, en tout cas pour moi, étaient Link contre Samus et sur la map du temple de Hyrule. C'était la meilleure map, je pense. Et je pense que voilà, là on parle, mais sur les images en arrière-plan, on va justement voir les images de ce temple avec cette petite musique qui restera toujours très importante à nous. Quelle était ta map préférée, ton stage préféré? Mon stage préféré, ça reste Hyrule aussi, hein, parce que j'ai passé beaucoup de temps. En fait, moi je jouais, j'ai découvert Melee, comme ça je donne l'info aux gens. Chez ma grand-mère, mon cousin a amené une GameCube, et donc je jouais avec mon frère, mon cousin, et on faisait des combats à trois sur la télé dans le salon, c'était une petite télé. Chez ma grand-mère, on faisait du Smash Bros. Melee. Pendant les repas de famille. Ah bah oui. Mais c'est tout pareil. On a fini et on... Mais c'est tout pareil. Repas de famille ou repas d'amis, dès que c'était fini, parce que eux restaient à table, nous on montait à l'étage, on branchait la GameCube et on s'arrachait la gueule sur Melee quoi. Ah mais c'est ça qui est bien. Ah bah oui, c'était la base. Et attention là, vous qui nous écoutez là, parce que là c'est rapide etc, je sais que beaucoup d'entre vous ont dû jouer à ce jeu là, et vous imaginez pas le nombre d'heures qu'on a passé avec Quentin à s'éclater la gueule. Mais, je tiens à le dire officiellement aujourd'hui, tu étais meilleur. Non, pas forcément, c'était des beaux combats. Tu étais meilleur, et du coup, tu vois, en fait, tous ces entraînements qu'on a pu passer dans nos familles et amis nous ont permis de pouvoir nous affronter autour d'une bonne pizza et une bonne bière, autour d'un Smash Bros. Melee. C'est ça, la recette du bonheur. Si vous nous écoutez encore, si vous n'êtes pas parti, le bonheur, c'est ça. Pizza, bière, Smash Bros. Melee, et une bonne bande de potes. Et là, on se marre bien. Même un seul pote, ça suffit, mais prenez le meilleur. Regardez, moi j'ai pris le meilleur s'éclatait. Voilà, déclaration d'amour. L'amour. Amour, nostalgie, vous avez tout compris, c'est exactement tout ce qu'on recherche dans Un jour un jeu. Et c'est d'ailleurs progressivement que cet épisode va se terminer. Smash Bros. Melee, un grand jeu, Quentin, quand même. Hein. Ça me fait plaisir de parler de celui-là. Voilà, il y a trop à dire. Mais malheureusement, le concept de l'émission veut qu'on s'arrête maintenant. Ce fut encore un immense plaisir. Et on se dit à très bientôt pour le nouvel épisode de Un jour un jeu. Salut tout le monde! Salut!